En fait, je suis allé à l'hôpital visiter un copain à qui on a fait des multiples transfusions sanguines. Et ça m'a fait réfléchir. La transfusion sanguine, c'est génial, hein ? Ça sauve des vies. Imaginez-vous un peu un accident de voiture, perte de sang, besoin urgent de sang. C'est intéressant, enfin, c'est majestueux de pouvoir avoir du sang en banque et pouvoir transférer rapidement à une personne qui en a besoin en urgence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Je suis heureux de vous avoir encore une fois en direct. Ou pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que chacun de nous en tirera sa part de grandeur, nimbé d'élégance, de bravoure et d'intégrité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme très intéressant au nom de Charles Drew, ou Charles Dreux. Et je suis certain qu'à la fin de cette histoire, vous en tirez des éléments très intéressants. Né en 1904, dans les ghettos de Washington, des parents afro-américains, Charles Dreux était un garçon courageux, brave, travailleur. Il était sportif passionné, un athlète recruté par son école à travers laquelle il reçut des bourses d'études. Son ambition de vie était de devenir ingénieur. Il voulait faire mieux que son père qui était nettoyeur de surface ou tout travaux. En Afrique, on les appelle domestiques. Il voulait faire mieux que son père, il voulait être quelqu'un de respecté, quelqu'un de renommé, d'emphatique. Ses ambitions d'ingénieur moururent dans l'œuf, avec la mort de sa sœur qui survint suite à une tuberculose. En 1920, à cette époque, la peste faisait rage. Les gens mouraient comme des chiens. Il y avait plus de 50 millions de morts globalement, ont perdu leur vie suite à la peste ou l'influenza. Le jeune homme était triste de voir sa sœur mourir d'une maladie aussi étrange, périr ainsi devant sa famille. Difficile à accepter. Suite à la mort de sa sœur, Charles Dreux jura de faire tout ce qu'il peut pour devenir médecin et consacrer toute sa vie pour sauver de vie. Il fera tout ce qu'il peut pour faire partie des meilleures écoles de son état. Mais en vain, les lois étaient claires. Les hommes de couleur n'étaient pas tout à fait permis. Pour financer ses études médicales, Charles Dreux n'a pas beaucoup réfléchi. Il fit des jobs pas tout à fait à la hauteur de ses attentes. Il avait travaillé comme instructeur d'athlétisme pour certaines organisations. Question d'accumuler assez d'argent pour prendre soin de soi. Il savait ce qu'il visait. Il visait grand. Il avait accepté le petit rien qu'il gagnait. Question d'accumuler assez d'argent pour enfin devenir quelqu'un. Quelqu'un de proéminent. Quelquefois dans la vie, il faut accepter des petites accumulations pour finalement pouvoir sauter grand. Il ne faut pas toujours refuser tout ce qui vient vers toi. Surtout quand vous êtes contre un mur, dans des conditions sordides. Continuons notre histoire. Après avoir été refusé à Harvard pour des lacunes en anglais, enfin, des prétendues lacunes en anglais, Charles Dreux fit sa demande d'inscription dans une université canadienne. Une université qu'il accepta sans difficulté, dans le département de médecine. Il devint très vite un étudiant star. Une personne exceptionnelle. Il gagnait des prix, des médailles. Il était souvent premier de sa classe. Il savait pourquoi il était là. Il bossait dur. Il n'avait pas de temps à perdre. Alors, qui est Charles Dreux? On va aller droit au but et éviter tous les tralala en français, n'est-ce pas? Auparavant, le sang prélevé d'une personne pour être transfusé à une autre périssait après 2 jours. Ça veut dire, vous tirez le sang d'une personne en attente de le transmettre à une autre personne, ça pourrissait après 2 jours. Il n'y avait donc pas de technique de conservation de sang qui fonctionnait vraiment. Je vous donne un exemple. Une personne victime d'un accident de voiture, en hémorragie, en perte massive de sang, devrait immédiatement trouver un donneur de sang compatible dans les minutes qui suivent. Sinon, la mort était certaine. Après avoir profondément analysé les facteurs physiques, chimiques et biologiques pouvant altérer la conservation du sang, le docteur Dreux en ressort une technique de séparation du plasma et du culot. Ça veut dire qu'il a séparé le sang en 2 parties, permettant ainsi la conservation massive du sang collecté. C'est grâce à ces messieurs qu'aujourd'hui, on peut stocker le sang en banque pour le collecter plus tard pour un usage ultérieur. Charles Dreux crée alors la première banque de sang en Amérique. C'est grâce à lui qu'on a pu placer le sang et le plasma dans des réfrigérateurs. Appelé par les autorités américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale, il leur propose sa méthode qui est rapidement acceptée. Beaucoup de personnes lui doivent la vie. Des militaires anglais, des Américains, et même des civils qui étaient blessés pendant le bombardement de Port Harbor. On ne le dit pas assez, mais il faut le dire. C'est grâce à Dr. Dreux qu'on a pu sauver d'innombrables vies pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous pouvez saigner à l'hôpital, tomber, mais ne pas en mourir. Parce qu'il y a du sang sauvegardé quelque part pour remplacer et vous aider à survivre. Dr. Dreux travaillait pour la Croix-Rouge américaine quand on lui informait que les militaires américains refusaient d'accepter le sang offert par des personnes de couleur. L'organisation qu'il employait obligeait désormais de séparer les sangs selon la couleur du donneur. Et cela l'avait complètement révolté. Il ne pouvait pas l'accepter. Et il décida finalement de quitter son boulot. Malgré son gros salaire, malgré la position, malgré l'honneur, malgré la place qu'il occupait,
Je tire principalement deux leçons de cette histoire. En plus d'être une personne cérébrale, une personne particulièrement intelligente, Dr. Drew était une personne d'honneur, une personne de caractère, une personne de valeur. Prêt à sacrifier tout ce qu'il avait, son honneur, l'argent, tout ce qu'il avait comme grandeur, tout ce qu'il avait comme opportunité, au nom de son honneur. Il ne pouvait pas accepter cette défaillance, il ne pouvait pas accepter cette défiance, il ne pouvait pas tolérer cette insulte, cette injure à sa communauté, à sa personne, à ses recherches. Combien de personnes aujourd'hui sont capables de faire cela? Combien de personnes laisseraient passer une opportunité aussi grandiose, une position de force? Nous voyons beaucoup de personnes en politique, après avoir fait des scandales, après avoir gaspillé l'argent du peuple, pillé, paupérisé le peuple, veulent toujours rester, persister, veulent toujours rester en position de force, veulent toujours assumer les mêmes rôles. Après avoir pillé le peuple avec l'ancien président, ils veulent quand même faire partie du nouveau régime. Beaucoup de personnes parmi nous n'ont pas d'honneur, n'ont pas de dignité, n'ont pas de sens, n'ont plus de honte. Après avoir été exposés ouvertement, j'ai vu des gens en politique, des gens dans des hauts offices, je crois que vous aussi d'ailleurs, qui ont été exposés sur les réseaux sociaux, dans le vol, dans le pillage, dans des vidéos de nudité, mais qui quand même persistent, veulent assumer les mêmes fonctions d'honneur. C'est incroyable. Nous devons avoir l'honneur. En plus d'être cérébral, en plus d'être intelligent, en plus d'être cultivé, nous devons avoir l'honneur. Deuxième leçon, ne soyez pas seulement une personne moyenne dans ce que vous faites. Peu importe votre domaine d'activité, peu importe ce que vous choisissez de faire, vous êtes développeur de programme, soyez un développeur exceptionnel comme Dr. Drew. Vous êtes mécanicien, ingénieur, soyez un ingénieur exceptionnel. Ne vous limitez pas seulement aux traits et liens qui ont déjà été établis par les personnes précédentes. Vous êtes unique, reconnaissez-les. Vous êtes capable de faire des choses incroyables. Nous n'existons pas seulement pour vivre, payer les factures. Nous sommes là pour laisser une histoire, pour laisser nos empreintes, pour laisser nos signes. Faites-le de votre façon. La vie ne consiste pas seulement à regarder ce que le voisin fait. Qu'est-ce qui manque chez toi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qui est jaloux de toi? La vie est aussi une question d'enrichir les autres par ta contribution personnelle, par ton œuvre, par ton art, par ton travail, par tes capacités. Ma question est celle-ci. Dans tout ça, combien de personnes à la place de Dr. Drew auraient laissé passer cette opportunité? Combien de personnes auraient démissionné d'une entreprise qui paye gros, un gros salaire, des grandes opportunités, des faveurs? Combien de personnes auraient fait cela pour sa communauté, pour son honneur, pour sa dignité? C'est parce que nous avons cultivé une mentalité des lâches. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Chacun vise d'abord son intérêt personnel. Chacun regarde d'abord ce qui lui est avantageux à lui. Qu'est-ce que moi je vais manger? Qu'est-ce que moi j'aurai de tout ça? Qu'est-ce que je gagne de tout ça? Au lieu de voir la communauté, on voit d'abord ce qui est personnel. Je vais rouler dans une grosse voiture. Combien de personnes à la place de Dr. Charles Drew auraient pris la même décision? Améliorons-nous. Nous sommes beaucoup mieux que ça. Il ne suffit pas d'être intelligent ou cérébral ou intellectuellement équipé. Il faut aussi avoir le caractère et l'intégrité. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir, votre frère. Le 1er avril 1950, à 45 ans d'âge, Charles Drew connut un accident de voiture. Son véhicule fit 3 tonneaux. Les 3 autres passagers ne furent que légèrement blessés. Drew, par contre, qui était au volant, dut être désincarcéré. Son pied ayant été écrasé sous une pédale, il saignait. Et quand les secours parvinrent à l'extraire, il était dans le coma. Des rumeurs persistantes propagent l'idée que Dr. Drew aurait été emmené à un hôpital où les gens de sa couleur de peau n'étaient pas tout à fait tolérés. Il mourut faute de soins ou par négligence par le personnel médical. D'autres personnes disent qu'il aurait reçu les soins appropriés et qu'il mourut quand même suite à ses blessures. À vous de voir, à vous de juger, à vous de conclure.